11 août 2022 même, Jason Momoa n'a pas aimé son remake de Conan le Barbare. L'acteur a eu des mots très durs sur le remake de Conan le Barbare de 2011, dans lequel il reprenait le rôle tenu en 1982 par Arnold Schwarzenegger. Jason Momoa a confié, lors d'une interview dans le GQ anglais, qu'il avait joué dans pas mal de films dont la post-production avait tout gâché, et que Conan le Barbare en faisait partie. J'ai fait partie de beaucoup de choses qui étaient vraiment nulles, et de films où l'on ne peut rien faire. Conan était l'un d'entre eux. C'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues et elle a été reprise et transformée en un gros tas de merde, a-t-il affirmé, comme le rapporte le Hollywood Reporter, qui en profite pour dire que le journal avait descendu le film à sa sortie. Ben Stiller révèle comment il est devenu fan de Taylor Swift. John Hamm rejoint le casting de The Morning Show. John Hamm sera Paul Mark, un dirigeant d'entreprise qui jette son dévolu sur Uba, dans la troisième saison de The Morning Show, la série diffusée sur la plateforme Apple TV+. Jusqu'à présent, la star n'avait jamais fait partie d'un projet Apple. Cela sera donc chose faite, souligne Deadline. Charlotte Stout sera la réalisatrice de cette saison, dont la production commencera à la fin du mois. Billy Crudup, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sont toujours bien présents dans cette série, créée par Michael Ellenberg et Kerry Erin, qui met en scène les coulisses d'une chaîne de télévision.